Bonjour, Yann. Alors, c'est là où on était rendu. On avait ensemble fait le diagramme de cas d'utilisation. Je vais d'ailleurs le renommer. Et je pense que tout le monde avait à peu près ça. Le défi résidait dans les extend et dans les include. Alors, j'aimerais que quelqu'un. Vous pouvez taper dans le chat, vous n'êtes pas obligé de le dire à haute voix, mais s'il y a quelqu'un qui veut nous l'expliquer, j'aimerais vous dire ce que vous avez retenu des extend et des include. Donc, le chat, là, il n'y a pas de trouble, vous pouvez me taper ça, n'importe qui. Quelle est la différence entre... Ah, oui, Mihai, en plein dedans. Et exactement. Donc, et pour retenir, donc, include encore là dans le même sens que Mihai Abdaer, effectivement, un include, c'est un doit, faites attention, et le exclude, lui, c'est un extend, pardon. Faites attention, les termes ne bougent pas, je vais les retaper pour tout le monde. C'est extends. Et il manque un S. Includes. Donc, c'est les deux termes. Alors, un include, ça, c'est le mot doit. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de la façon dont on doit les lire pour se rappeler de la flèche? C'est au même titre qu'on le dit en français. Si on prend choisir une boisson, y a-t-il quelqu'un qui veut me donner la clé de lecture? Comment ça se lit? Choisir une boisson puis commander pizza. Durant ce temps-là, je vais aller chercher le document. Donc, le mode de lecture, c'est beau, tu es dans le bon sens, Abder. Choisir une boisson. Moi, je vais dire. Moi, je veux dire, il a le choix de choisir une boisson. Voilà. Choix. Donc, choisir boisson, ça l'ajoute à commander pizza. Donc là, j'ai mis la clé de lecture. Donc, un cas d'utilisation ajoute à un autre. Il n'y a pas de... Puis en fait, là, si j'avais été gentil, c'est mal écrit, choisir une boisson, puis là, ça va vous aider, peut ajouter à commander une pizza. Et par rapport à payer, par exemple, avec carte de crédit, là, on voit qu'on est obligé d'aller de l'autre côté. Donc, commander une pizza doit inclure payer avec une carte de crédit. Donc, on avait aussi complété une grille, et c'est là où on était rendu, si je me rappelle, à la fin du dernier cours. Et on l'avait en partie validé ensemble. Donc, j'espère que je l'ai mis sur mon drive partagé. 420. C'est le document Word que je vous ai fait faire en template. Et là, on va regarder ensemble les compositions. Et là, il y a deux documents importants là-dedans.
le document que je vous ai donné qui s'appelle « Description », qui, lui, vous donne, si vous vous posez une question, « Qu'est-ce que je dois mettre? » C'est ce document-là. Donc, description textuelle du cas d'utilisation. Et vous vous souvenez, là, on va regarder le détail qui est ici. Ça, ce n'est pas celui là, qu'on a fait ensemble en classe. Mais maintenant, vous avez un gabarit pour remplir ce document-là. Et je vous avais dit, le déroulement nominal, c'est le déroulement, vous pouvez bien penser dans votre tête, normal. C'est ce qui va arriver si tout va bien. Effectivement, Myrna, dans le diagramme de cas d'utilisation, on a un système qui est l'acteur secondaire ici, que je n'ai pas mis. Alors, je te remercie de l'avoir relevé. Il me semblait que je vais sauvegarder, mais peut-être que je ne l'ai pas sauvegardé. Donc, c'est un bon point que tu as relaté, là. Donc, on a aussi un acteur secondaire ici et on le relierait. Pas de flèche. Bon point. Alors, dans le cadre d'apprendre les cas d'utilisation, la partie qui est relativement importante, c'est le déroulement nominal qui va vous donner le comportement du système et où on a, comme vous pouvez le remarquer, là, au moins une espèce de séquence dans quel ordre les choses se font. Donc, si vous commencez à faire le système, bien, vous voyez que vous avez à développer le formulaire, entre autres, moi ici, c'est pas sur le système des pizzas, mais on a fait ensemble en classe le système pour la commande des pizzas. Et là, on va passer un peu du coq à l'âne, mais on va compléter notre analyse. Donc, on a le diagramme et le détail du cas d'utilisation. Et là, notre travail... Puis là, ça va être un travail de rappel. Partez votre SQL développeur et on va dessiner le modèle de données parce que sans modèle de données, pas grand-chose qu'on peut faire. Donc, on va prendre le cas et on va... Alors là, je vous laisse quelques minutes. Vous n'avez pas besoin pour le moment de démarrer votre machine virtuelle. Seulement SQL développeur, ça va faire le travail. Alors, merci à tous ceux qui ont allumé leur caméra. Je l'apprécie énormément. Est-ce qu'il y en a qui ont de la difficulté à démarrer leur SQL développeur? Donc, tout va. Pour démarrer la partie de Data Modeler, faites View, Data Modeler, et vous allez sur le premier en haut. Et là, en français, il s'appelle
Non, Myrna, tu n'as pas besoin de démarrer ta VM. On va travailler avec la partie Data Modeler. Donc, le Data Modeler n'a pas besoin de la VM. Et quand vous faites ça, vous allez avoir ici en bas à gauche, browser ou navigateur web, je crois. En tout cas, le nom est assez étrange en français. Et là, si vous vous souvenez, dans un premier temps, on développe le modèle logique de données, le MLD ou le modèle logique, qu'on va par la suite pousser en modèle relationnel ou en modèle physique. Encore le petit triangle. Et bouton droit, vous avez affiché ou en anglais show. Ça va ouvrir un onglet où ça va nous permettre de dessiner. En fait, votre barre d'outils est en haut. Et là, je revise. Fait que je vais quand même aller relativement rapidement. On vient et là, on va faire le modèle de données de notre pizzeria. Parce que je vous ai dit, le but dans notre déploiement de système, dans la partie analyse, avant qu'on commence la conception proprement dite, malgré que ça en fait partie, c'est vraiment d'avoir nos codes d'utilisation, notre modèle de données, nos croquis d'écran. Alors, si on regarde ce qu'on avait dans les notes, dans notre étude de cas, donc, on pizzeria veut faire croire, donc il souhaite que ses clients puissent commander des pizzas. Monsieur, vous ne partagez pas votre écran? Oui? Partagez pas votre écran. C'est un bon point. OK. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Right. Donc, je vais essayer de rapetisser ça un peu pour être capable aussi d'avoir mon data modeler pas trop loin. La partie ici en bas, je n'en ai pas besoin. Pour me permettre là, de travailler puis d'avoir un bon, c'est beau. Alors, le patron d'une pizzeria ici, il souhaite que ses clients puissent commander des pizzas en ligne. Est-ce que vous voyez des entités là-dedans, juste à l'œil, que votre système va avoir de besoin pour être capable d'implémenter ça? Donc, je répète, est-ce qu'on voit... dans la lecture de ça ici, est-ce qu'il y en a qui voient des entités? Moi, j'en vois au moins trois. Client commande pizza. Un menu, oui, on va y arriver, tu as raison, mais on va dessiner nos premières entités. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, l'icône, là, c'est la petite boîte avec l'engrenage. Donc, première entité, ça nous prend des clients. Et là, dans le minimum des attributs, j'en ai pas, mais on a toujours le premier attribut qui est ID client. Donc là, je répète, vous utilisez la boîte avec l'engrenage. Vous dessinez la boîte bleue. Dans l'onglet général, vous lui donnez un nom. Et c'est un nom qu'il y a dans un modèle de données. Singulier. Et là, on est rendu dans les attributs. Vous appuyez sur le petit plus. Et là, habituellement, il donne sa clé primaire. Donc, clé primaire, je l'ai appelée ID client. Je vais vous le montrer ici.
Donc, ça, c'est le nom que je lui ai donné quand je l'ai créé. Parce que quand vous faites la boîte bleue, cet écran-là, ici, s'ouvre tout seul. J'y ai donné le nom. Puis après ça, j'ai été dans l'onglet « Attributs » et j'ai mis l'idée client. Donc, ensuite, on va mettre son nom. Oh, j'ai fait une petite erreur, excusez. Vous devez mettre « Logical » et choisir le type « Varchar » et ne pas oublier de lui donner la longueur. Ça va nous permettre de générer le modèle physique. Donc, mettons 50 caractères. Je vais revenir ici. Logique. Et le « ID », c'est un numérique. C'est de la révision. Je sais qu'il y en a qui c'est loin, là. Fait que ralentissez-moi si vous trouvez que ça va trop rapidement. Donc, l'idée client, ici, c'est le nom de l'attribut. Vous mettez logique, numérique et cochez que les primaires. Ensuite, son nom. Deuxième attribut avec le petit plus, nom. N'oubliez pas de choisir logique. Vous allez être capable ici de venir chercher le fait que c'est un varchar 50. Et son nom, c'est obligatoire, cochez la petite boîte, ici. On va aussi lui donner un prénom. Logical, Varchar, 50 encore pour moi, puis je veux absolument qu'il y ait ça. On va ajouter. Là, on n'ira pas trop fancy là, dans l'adresse. Logical. Oui, Myrna. Je vais reculer un petit peu. Varchar. Là, j'en mets 200. Mettons, c'est l'adresse complète. Et on veut que ce soit obligatoire. Apply. OK. Donc, Myrna, pour dessiner ici une entité, tu dois cliquer sur le diagramme de petite boîte avec un engrenage. Et là, ton curseur va se transformer en X et tu vas être capable de dessiner la boîte. Ça l'ouvre automatiquement les propriétés de... l'entité. Là, on va faire la seconde. Puis là, je vais quand même à un bon rythme. La raison est simple. C'est que ça a tout été couvert en deux CW. Ce n'est pas la première fois que vous opérez un modèle de données, mais je comprends que ça fait un bout de temps. C'est pour ça que je voulais vous le faire ensemble pour vous aider à le mémoriser. Donc, moi, je vois le mot commande ici. Donc, je vais mettre commander. Il va bien falloir que j'aille en quelque part une commande. Et lorsque tu as, Myrna, lorsque tu as rentré le nom de ton entité, tu cliques sur attribut à gauche. Et là, tu vas être capable de rentrer les attributs. Donc, idée, commande, logique, number, numérique, pardon. Je fais des folies. Numérique. Primary key. Et là, on va mettre un data. Savoir quand est-ce que la commande a été placée. Créer. Logique. Un date time. On va le mettre obligatoire. C'est le système qui va nous le mettre. Puis on va apprendre comment faire ça. Là, je vous rappelle, parce qu'il y en a d'entre vous qui l'ont oublié, vous ne mettez pas les clés étrangères dans le modèle logique. C'est le lien qui va le faire. Donc, jusqu'à date, mettons, on a le numéro de la commande, puis on a la date qu'elle a été placée. Ça va satisfaire notre besoin. Ensuite, pizza. Bon, ben. Là, on a pizza et vous souvenez-vous, on a ajouté les boissons gazeuses dans notre use case.
Donc, au lieu d'appeler ça pizza, on va appeler ça produit à vendre. Monsieur, c'est quoi les attributs que vous avez dans commande? Dans les seuls attributs que j'ai mis, c'est idée commande puis date créée. Et d'ailleurs, je viens de voir que j'ai oublié quelque chose. Je vais le corriger. Là, il manque un accent dans créer. Donc, produit à vendre. On s'en va dans les attributs. Donc, on va appeler ça idée. Produit. Logique. Numérique. Clé primaire. On va y mettre une description. Monsieur? Oui. Pour ma part, ça ne marche pas. J'ai un problème ici. Quand je vais dans l'attribut, ça ne m'affiche pas la page où je peux faire cette sélection-là. OK. Donne-moi une petite seconde. On va partager l'écran. Je vais prendre une pause parce que sinon, tu ne seras pas capable de travailler. Non? J'arrive. Barchar. On va 200 caractères. Obligatoire. Et j'ajoute le dernier qui est le prix, hein, parce qu'on vend des produits. On va rajouter un prix logique. Puis on ne mettra pas obligatoire parce qu'il y a peut-être des trucs gratuits, mettons, comme des ustensiles. Monsieur, pour date créée, c'est date ou date time? Date time. Mais c'est pas grave, ça fait la même chose dans un corac, là, mais pour les besoins, c'est un date time. OK, je reviens. Là, moi, j'ai fait mes trois boîtes. Donc, là, je sais qu'il y en a qui tirent un petit peu de la patte, mais est-ce que la majorité d'entre vous, là, j'en ai combien, levez la main, qui n'ont pas les trois entités avec leurs attributs? Philippe, il t'en reste combien? Il manque juste celle de la commande. Parfait. Omar, il t'en manque combien? Je t'entends pas bien, mais tu peux me l'écrire dans le chat si tu préfères. OK, maintenant, on va quand même ajouter les liens. Puis là, du temps que je vais faire une belle petite disposition. Donc, on a un client. On va choisir le 1 à plusieurs, ici, qui est les petites flèches vertes, la deuxième. On a un, c'est plusieurs à plusieurs, deux flèches. Le numéro 2, qu'on peut virtuellement pas voir, là, mais c'est 1 à N. On s'en va de client à commande. Et là, le lien est bon. Et je vous explique. Donc, moi, des fois, je nomme ma relation. Donc là, je vais la nommer client. OK. Là, théoriquement, tout est bon. C'est un coup de chance. Et là, je vous explique ici comment ça fonctionne. Ça ici, c'est la flèche qui est au bout de client. Et commande vers client, il est à 1. Donc, et là, dans le cours de CW, l'erreur la plus commune, les étudiants avaient de la difficulté à placer les pattes de coq du bon côté et les tirer du bon côté. Fait que je vais vous poser la question. Si je dois choisir entre client et commande, lequel peut exister sans l'autre? Client. Oui. Si client peut exister sans commande, la tireté va du côté de client. La commande, elle, doit absolument avoir un client. Donc, la ligne doit être pleine du côté de commande. Et ça se lit, un client peut
Puis là, moi, vous souvenez-vous, je vous ai fait mettre des propriétés. Si on vient ici, on va mettre le libellé sur client, un client commandé. Et être. C'est le seul endroit où vous pouvez mettre des accents dans le modèle. Et si vous ne vous souvenez pas comment les faire apparaître, bouton droit, show label. Donc là, si on le lit, un client peut, la ligne tirée, peut commander une ou plusieurs pizzas. Ça se lit dans le sens du graphique. Une commande, ligne pleine, doit être assignée à un et un seul client. Et là, on va faire vis-à-vis commande et des produits à vendre. Même clic, clic, clic. Et là, dans le nom, utilisez des abréviations, parce que ça va être trop long, comme produit. Et là, on dit une commande. Dans un premier temps, la commande peut exister avant que j'aie choisi mes produits. Donc, mais c'est comprendre. Et un produit se retrouver. Et si on le lit, une commande peut comprendre un ou plusieurs produits à vendre. Un produit à vendre, ah non, doit se retrouver, hein, pas bon. Donc, il faut que je retourne et que je change l'optionnalité qui est la boîte ici, source optionnelle. Là, je relis. Une commande doit comprendre un ou plusieurs produits. Un produit, ah, ça l'a effacé, mes petites notes, OK. Un produit peut se retrouver sur une et une seule. Non, une pizza peut se retrouver sur plusieurs. Une autre erreur à corriger. Hein? Un produit peut se retrouver sur une ou plusieurs commandes. Une pizza, all dress, peut effectivement se retrouver partout. Pas de problème. Alors, on a une partie de notre modèle décrit avec les consignes qui ont été données. Omar, est-ce que tu as une question ou c'est juste une main qui est ouverte depuis un petit bout de temps? Myrna, pour afficher les mots, bouton droit, affichage, les mots. Moi, c'est écrit se retrouve. Se retrouve, se retrouver. Les verbes ici, là, à part quand tu utilises être, c'est toujours à l'infinitif. OK, on continue à lire. Ils pourront choisir la pizza dans une liste préétablie dans le format qu'ils souhaitent. Oups, je n'ai pas de format dans mon modèle de données. Donc, dans les produits à vendre, je vais rajouter un attribut format. Pour le moment, ça va être un varchar. Vin de long, ça devrait suffire. C'est pas obligatoire parce que je vais être dans la même table que les boissons gazeuses. Fait que le format, je ne peux pas cocher obligatoire. Donc, j'ai rajouté ici optionnel le format, optionnel le prix.
Donc, on a tenu compte de ça. Le client devra payer sa commande au moyen de sa carte de crédit. Oups! Là, ce n'est pas un cas réaliste. C'est important que vous le compreniez. On va rajouter le numéro de la carte de crédit dans la commande. Donc, moi je l'appelle no underscore CC pour le numéro de carte de crédit. Logique. Puis là, je vais choisir plutôt, c'est toujours un numérique. Mais j'ai-tu big int? J'ai big int parce que c'est un gros numérique. On va rajouter date expiration EXP qu'on a l'habitude de saisir si on place des commandes. Ça, ça va être un voucher. On pourrait toujours y mettre un int puis le valider, mais ça va être pas beau. Non, on va y mettre un voucher. Mais les deux réponses, selon moi, seraient bonnes. Ça, c'est un 4 de long. Et on va ajouter le nom du détenteur. Là, on ne mettra pas le petit code de machin. Là. Donc, détenteur. N'oubliez pas d'accent. Logique. Virtual. 50. Non obligatoire. Bon. Là, maintenant, dans notre... Oui, Myrna, je t'écoute. C'est un détenteur de quoi? Le détenteur de la carte de crédit. Et c'est une date d'expiration pour la commande? Oui, on l'a mis dans la commande à l'heure actuelle, le détenteur. Donc, pour passer la commande, on va demander au client de rentrer son numéro de carte de crédit, sa date d'expiration. En fait, là, au lieu de détenteur, souvent, on utilise l'expression titulaire. Peut-être que comme ça, ça va être plus clair pour tout le monde. Vous voyez, on peut toujours modifier nos attributs. Ça va jusque-là? Myrna, ça a-tu répondu à ta question? Parfait. On vient et on continue notre lecture. Nom, prénom, adresse, on l'a. On a oublié deux champs ici qu'on n'avait pas mis. Numéro de téléphone et adresse courriel. On retourne, clique, deux clics. Téléphone, logique. Moi, je vais le mettre en voucher parce que je veux peut-être qu'il saisisse les parenthèses. Donc, le numéro de téléphone, je vais lui donner 15 de long. Et on veut son adresse courriel. Donc, ici. Adresse courriel, logique, voucher, on va mettre 50 $. Alors maintenant, on a un modèle de plus en plus complet. De plus, les clients doivent pouvoir donner une note. Ça, c'est à la commande. Hein? Une note, par exemple, sonner à l'appartement 8. Donc, quand tu vas placer sa commande, on va lui permettre de saisir une note. Ça vient ici. Attribut. Note. Logique. Matcher. Puis on va lui donner 200 caractères. Donc,
Donc, notre modèle, maintenant, il y a l'air de ça. Je vous donne 3 minutes. En attendant, moi, je vais aller dans le petit. Oh, je vais mettre ça là. Donc, la note en jaune. Et là, on voit un statut ici. Là, il est écrit « La pizza est prête », mais ce qui est important, c'est que la commande soit prête. Donc, on ajoute un attribut « Prêt », logique. Je vais faire un varchar de 1. Ça va être un oui-non, en fait. Mais c'est plate, on n'a pas de place pour mettre un default value. J'aurais mis une valeur par défaut comme étant non. Voilà. Attribut, varchar, synonyme, source. Ah! Donc, moi, je viens d'y mettre une valeur par défaut comme étant non. Je vous montre où j'ai été. Hein? Quand on rentre la commande, elle n'est pas prête. Donc, j'aurais voulu que mon champ prêt ait une valeur de défaut comme étant non. Vous cliquez ici le petit stylo en dessous des jumelles. Pourquoi vous ne mettez pas un booléen, monsieur? Non, ça n'existe pas. En SQL, un vrai-faux. Sinon, tu l'aurais vu dans ton cours de 2CW. Donc, quand on fait du développement SQL, dans une BD, une colonne ne peut pas être un booléen. Donc, moi, j'ai mis varchar de 1 et je suis vu mettre la valeur de défaut N. OK, donc on a tiré ça, c'est bon. Le patron aimerait bien disposer de données, nombre de commandes. Ça, on va l'avoir. Si on fait des requêtes sur notre BD, tout va être beau. On va tenter de donner ça au patron. Modifier à la liste des pizzas. On va, pour le moment, juste penser que la description de la pizza comprend ses ingrédients. On ne fera pas une table avec les ingrédients. On va dire que le patron, quand il crée, il dit pizza, pepperoni, fromage. Ben, théoriquement, vous venez de réviser tout ce que vous avez appris dans votre cours de modélisation. Couvrait quasiment 2 semaines en 2CW. Là, on va ingénierer le modèle physique à partir de là. Ou générer le modèle relationnel en anglais, là, vous m'excuserez l'anglicisme. En anglais, c'est « engineer the relational model ». En français, c'est « générer le modèle relationnel ». Là, il vous montre tout le tralala. Vous appuyez sur le bouton « Générer » et il vous a généré un beau modèle. Et là, vous allez me dire, « Monsieur, il me semble que dans le modèle physique ou le modèle relationnel, j'ai comme des tables de plus. » En fait, n'oubliez pas qu'une entité un plusieurs à plusieurs bonjour Nathan bonjour un plusieurs à plusieurs va toujours être résolu
par une table d'intersection. Puis là, moi, je vois ici, là, les clés qu'il est obligé de faire, là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. J'ai un caractère de trop. Alors, je vais tout déliter ça. Vous le choisissez tout, vous appuyez « Delete ». « Remove object ». On va retourner sur notre modèle logique et produits à vendre. Étant donné que je n'ai rien d'autre que des produits à vendre, je vais changer son nom pour « Produit ». Même chose ici, « Produit ». Oups. Bon, il me reste mon long name, ce n'est pas très grave. Et là, dans les liens ici, j'y avais donné là, comme produit, ça devrait faire. On va voir si je régénère, si j'ai encore des longs noms. Monsieur, vous avez fait quoi? J'ai tout délité le modèle qui était ici en sélectionnant comme ça et en appuyant « Delete ». Donc là, il a détruit toutes les tables de mon modèle relationnel. Je suis retourné dans mon modèle logique qui était l'onglet avec mon bleu et j'ai été double-cliquer sur « Produit » pour modifier son nom. Afin que le nom des contraintes qui génèrent automatiquement soit plus court. Et là, j'ai refait générer modèle relationnel. Le long name, je ne peux pas le modifier. Non, on ne peut pas. Tu le laisses là, ce n'est pas particulièrement grave. On va aller voir si le nom de nos contraintes sont un peu mieux. Ah oui, sont plus courtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 26, 27. C'est bon. Tant que je ne dépasse pas 30, je n'aurai pas de problème. Rendu ici. C'est où le nombre de contraintes? Juste un petit peu plus fort, je n'ai pas compris, je m'excuse. C'est où que vous lisez le nombre de contraintes? Regarde ici, en bas de la boîte, en dessous de la première clé qui est la clé primaire, tu as la contrainte commande client FK. Donc, une contrainte de clé étrangère, c'est FK pour foreign key. Si vous vous souvenez, votre code SQL, là, les clés étrangères, c'est la clé primaire d'une autre table. Et il nomme la contrainte. On les a ici, là, où il y a une clé jaune avec un petit truc vert en dessous. Est-ce que tu les vois maintenant? Ouais. Ouais. Et le dernier travail qu'il y a à faire, c'est de générer le script pour créer la base de données. Et là, j'ai toujours un petit 2 secondes de... C'est dans... Je crois que c'est dans File, Data Modeler, Export, to DDL File. Ouh! La mémoire m'est revenue. Alors, je comprends que tout le reste, là, ça fait des bons petits menus pas trop compliqués à part comment faire apparaître le menu. Là, pour exporter votre modèle de données en script SQL pour créer les tables, c'est dans Fichier, Data Modeler, Export, DDL. Oui, Sam? Je crois qu'on peut y aller plus rapidement dans la barre d'outils là, rapide. Ici, exactement. C'est vrai, tu viens de me le rappeler. Comme tu l'as dit, juste au côté des deux petites flèches bleues, il y a un petit diagramme gris qu'on voit. Et si vous tenez votre souris, là, il va dire « Generate DDL ». Merci beaucoup, Sam. Il y avait la façon longue et la façon rapide. Prenez la façon de Sam, elle est plus vite. Cliquez.
Et là, il vous confirme, mettez-vous en BD 21 si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, 12-6, ça va être bon. Et appuyez « Generate ». Et si vous faites « OK », il va vous générer votre script de création. Et on voit qu'on a nos clés étrangères ici. Si vous avez des erreurs, l'erreur la plus commune, vous avez oublié de choisir le type. Vous avez oublié de mettre la longueur d'un verre char. Tu peux directement le mettre là-dedans, mais si plus tard tu as l'édité, c'est vraiment moche. Alors, tu peux venir ici. Mettons que j'aurais oublié la longueur d'un verre char. Close. Première chose à faire, efface ton modèle relationnel. Boom. Retourne dans ton modèle logique. Mettons pour client ici. Et là, j'aurais oublié sur un attribut de mettre, mettons, si je me suis trompé, c'était pas 50, je veux 40. Là, moi, je vais vérifier quelque chose sur la clé primaire. Je peux-tu demander qu'elle soit générée? OK. Et un coup que tu as fait les corrections ici, tu peux... Bouton droit, générer modèle relationnel, puis engineer ici en bas. Moi, je vais juste regarder deux, trois petites affaires. Okay. Un coup que c'est fait, moi, j'ai juste regardé ce qu'il y avait. Il va te les remettre ici. Et là, on voit que mon prénom a maintenant 40 caractères. Et... Je ne bouge pas, après vérifier si je peux la générer à partir d'ici. Bon, je l'ai. Bon, je ne peux pas la choisir. J'ai-tu un... OK, je l'ai trouvé. On vous l'a montré. Je vais essayer de le refaire. OK. Lorsque vous êtes sur une table, vous pouvez double-cliquer. Ça, vous faites ça seulement dans le modèle relationnel. Tu peux t'en venir ici, sur ta clé primaire, lui dire de l'incrémenter automatiquement et c'est une colonne de type identité. Ça va donc faire que la clé primaire va se gérer tout seul. Je recommence.
Tu double-cliques ici. Il y en a créé un tout seul, c'est beau. Tu t'en viens et sur ta clé primaire, Exit, qui est le petit truc à gauche, tu mets auto-incrément identité colonne. Ah, non, ça, j'en ai pas besoin ici, je m'excuse. C'est deux clés étrangères, ça. C'est le seul qu'on ne touche pas. On touche client, commande, puis produit. Produit, vous êtes sur l'idée produit, tu prends le petit crayon ici et tu mets auto-incrément, identité, OK. Et ça, la seule différence que ça va faire, c'est quand tu vas générer ton DDL. Mets-toi en 21, mets en 12 et tu devrais avoir. Voyez-vous ici, generated by default as identity. Start with one, no cache. Ça, ça fait que tu n'auras pas à gérer dans ton application la génération de la clé primaire. Le système va la faire tout seul. Monsieur, vous pouvez remontrer comment? Ben oui, avec plaisir. Il faut que tu aies généré ton modèle relationnel. Ça va jusque-là, non? Oui, j'ai déjà fait, oui. Parfait. Là, tu vas prendre les trois tables qui sont tes tables principales. Tu double-cliques et tu choisis colonne ID client. La colonne de ta clé primaire. Tu cliques sur les propriétés. Et là, tu viens mettre auto-incrément identity column. Est-ce que tu m'as suivi? Oui, je fais ça pour le reste. Pour, produire... Oui, tu fais ça pour le client, la commande et le produit. Merci, monsieur. Ça me fait plaisir. Et après ça, vous pouvez sauvegarder le script. Je me demande son nom. Moi, je ne sauve pas ça avec DDL, mais théoriquement, c'est bon. J'ai-tu accès au desktop à partir de là? Parce que des fois, je n'ai pas accès. C'est ça. Okay. Je vais sauver dans mon user. File name pizza.ddl ou ça pourrait être .sql. Et là, si on s'en vient ici, mes pizzas, c'est. Je vais me déplacer pour aller dans mon cours, ça va être plus facile. Et voilà! Donc, ce qu'on vient de reviser ce matin, c'est à l'aide de l'outil PLSQL, comment on peut rapidement dessiner nos modèles de données logiques, physiques, dont on appelle ça relationnel, et à partir de là, générer le script pour créer toutes les tables. Parce que quand on fait une application, vous autres, pour la déployer, vous avez besoin des scripts de création de tables. Alors, il y en a-tu qui se souviennent comment créer, mettons, les données de départ? Puis là, moi, il me manque une table.
Aha. Le patron, pour apporter des modifications à la liste, et moi je dirais le patron seul. Est-ce que vous voyez qu'il manque une table quand je dis ça? Si vous regardez mon modèle, moi, il me manque une table pour implanter la sécurité. Est-ce que vous voyez une table qui contient des utilisateurs, vous autres? Vous ne pourrez jamais me loguer dans cette application-là. On va rajouter une table. Et c'est ça qui est le fun quand on fait tout ce boulot avec SQL Developer, ben naturellement, c'est facile de rajouter une table. Oui, Myrna. Vous pouvez l'expliquer, je ne crois pas. Vous voulez ajouter une table d'utilisateur? Ben oui, sinon, je ne pourrais jamais me loguer. Comment je suis supposé vérifier si c'est un bon utilisateur? Là, vous n'avez pas besoin de le faire, mais tu comprends que si je veux valider qui se log à l'application, vous comprenez qu'il manque le cas d'utilisation s'authentifier à l'application, pas juste comme client. On a vu que dans c'est sous-entendu que les employés puis le patron peuvent pas faire la même chose. Fait que l'application, on comprend qu'elle va avoir deux interfaces. L'interface des clients, puis l'interface à l'interne pour dire qu'entre autres que la pizza est prête. Ce ne sera pas la même interface. C'est pour les clients et les employés. Oui, l'application gère toute la pizzeria, donc j'ai besoin de m'authentifier. Pour les besoins ici, je vais garder ça court, là, vous n'êtes pas obligé, mais c'est important quand même de comprendre que je dois, quand je développe une application, ID utilisateur. Puis là, si je veux forcer son nom d'être unique, l'ID utilisateur, je peux. Me mettre un varchar et dire qu'il doit être unique. Ce sera mon exemple ici, puis on va le limiter à 20 caractères. Obligatoire. Et là, on va demander le hash du mot de passe qui va aussi être un varchar. Et on se prépare au prochain cours en faisant ça. Je vais mettre ça en long. Obligatoire. J'ai oublié de dire, ça, c'était la clé primaire. Le hash de mot de passe à plat. Alors, ça, c'est les utilisateurs internes, si on veut. Les utilisateurs externes sont ici. Monsieur le H, vous l'avez mis juste obligatoire, puis vous avez mis 100 pour la limite. Oui, mais là, c'était fait rapidement. Et là, lui, ce ne sera pas une table dont la clé primaire va être gérée comme les autres. On va demander un nom d'utilisateur, on va vérifier qu'il soit unique. Donc, dans ce cas-là, pour le moment, là, je vais laisser ça comme ça, mais il manque aussi un autre attribut. Il manque l'attribut patron. Hein, pour le moment, on ne fera pas une table avec des droits. On va simplement mettre un champ caché en arrière qu'on va activer pour le patron. Patron, logique, varchar 1, default value, mandatory.
default value à non. Apply. Et on a... Comment on force le nom à être unique? En ayant déclaré le ID utilisateur comme clé primaire, la clé primaire, ça l'a, c'est une contrainte qui a deux propriétés, non nul et unique. Okay. Donc, on vient de se rappeler de trois contraintes. Clé primaire, non nul, unique. Mais la clé primaire, elle contient les deux autres. Donc, qu'est-ce qu'on refait pour arranger maintenant le fait qu'on a changé ça? Je vous l'ai dit, c'est pas long. Tu t'en viens dans le modèle relationnel, tu le prends. Là, le problème, c'est qu'en faisant ça, on va détruire tous les auto-incréments qu'on a mis là. Alors, j'aimerais juste L, et là, on va aller voir si on peut, à l'aide de l'outil de génération. Monsieur. J'écoute. Le patron vous a mis une valeur par défaut. Oui, je l'ai mis à non. Mais vous avez mis combien pour le pour la taille? Oh, comme tu veux, mais 20, c'est pas vraiment important là. Oh non, tu parles patron, c'est 1 la taille. Excuse-moi. Là, on va dans la génération du modèle relationnel, j'ai enlevé client commande produit parce que je veux pas enlever tous les petits trucs que j'avais fait pour ajouter une table. Donc là, le reste, moi, tout ce que je veux, c'est générer l'utilisateur dans mon modèle relationnel. Il n'y a pas de flèche d'utilisateur à quelque chose? Non. Ça a l'air étrange, tu as ça peu souvent, mais... Je pourrais le relier ici à commande puis dire qui a rendu une commande prête. Mais on va garder ça plus simple pour le moment. Et là, tu fais « Engineer » et tu vas te retrouver avec ça ici sans avoir perdu notre auto-incrément puis identité colonne. Alors, c'est important... Lorsque tu ne fais pas un changement qui touche des tables dans lesquelles tu as changé des propriétés ici, simplement de choisir de pousser seulement les changements que tu as faits dans ton modèle logique. Donc là, notre modèle physique, il est bon, il est corrigé et je peux ressortir mes scripts. Monsieur? Oui? J'ai une question. Donc, si j'ai bien compris, donc là, on est dans l'élaboration des diagrammes. Et ça, c'est en plus du diagramme de contexte, pactage et cas d'utilisation, c'est un autre type de diagramme qu'on utilise, c'est ça? Oui, c'est un diagramme que vous avez vu en application web, votre cours à la deuxième session, c'est le modèle de données. Je faisais une révision de ce que vous avez vu dans le but, naturellement, d'arriver ici, parce que dans notre cours, ce qu'on va faire, c'est déployer des applications. Et pour déployer des applications, si elles sont sur base de données, on doit absolument avoir les scripts. Et idéalement, le modèle et le code source, s'il y en a. Donc, c'est pour ça que j'ai repris en validation ce que vous avez fait. L'analyse d'un projet, justement, logiciel. En plus des autres types de diagrammes, ce type de diagramme-là est important. Donc, on a plusieurs types de modèles dans une même analyse. Absolument. C'est bon ton point. Il y en a au moins trois types de diagrammes. Croquis d'écran, code d'utilisation, pactage, contexte, modèle de données. Dans le modèle de données, même peut-être tu peux mettre les deux. Alors, moi, je ne
retoucherai pas à SQL Developer la partie Data Modeler. Je l'ai fait, je vous ai aidé pour reviser, pour que vous soyez à l'aise. Si je vous donne un diagramme, vous devez être en mesure de le vérifier et de générer le script d'installation. Ça doit faire partie des acquis que vous avez, ça. Être capable de faire un modèle de données. Puis là, bien, c'est le fun, l'outil SQL Developer. Contrairement à Lucidchart, est-ce que vous pouvez faire un modèle de données dans Lucidchart? La réponse, c'est oui. Mais moi, j'aime beaucoup mieux SQL Developer parce que je fais le modèle logique, je donne mes attributs, je fais les liens, puis il s'occupe de me faire toutes mes contraintes, mon modèle de données physique et mes scripts. Monsieur, je n'ai pas compris les liens. Les flèches, le sens des flèches et tout. Est-ce que tu as eu le cours 2CW, Mohamed? Oui, je l'ai eu. OK. Alors, juste une révision. OK. Ici, je vais te demander, as-tu gardé tes notes? Parce que je ne pourrais pas reprendre toute la configuration des liens. Oui, je pense que c'est ça. Je vais les reviser rapidement, mais la présentation, puis là, ça a été qui ton prof? Gilles Philippe en 2CW? Oui, exact. Good. C'est le fun. Il y a les mêmes diapos que moi, on les a faites ensemble. Et les diapos que tu veux reviser, c'est cours 7 et 8 l'année passée. Puis là, je vais juste te l'ouvrir. OK, c'est bon, je les ai retrouvés, merci. Pas de trouble. Et la partie importante, elle est ici. OK? Donc, dans le formalisme Oracle, le tire-T désigne le fait qu'il est optionnel et la ligne droite désigne l'unicité, le lien de 1. Les pattes de coq désignent plusieurs. Si tu mets patte de coq à patte de coq, ça se trouve à être plusieurs à plusieurs. Moi, ici, dans le modèle qui est là, je trouve qu'il y a une petite faiblesse. Là. Programme ici devrait être en ligne tirée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, un programme peut être lié ou peut contenir plusieurs étudiants. Mais un étudiant doit être inscrit dans un et un seul programme. Donc, la clé de lecture est vraiment ici. Et on avait aussi préparé, si je ne me trompe pas, monsieur. T'as-tu vu ce document-là? Ça ne sera pas long, je te reviens. Je vais en aller. Ici. Ça, c'est trop compliqué. Oui, vas-y. Comment on fait déjà pour créer le modèle relationnel? À partir du modèle logique, tu as un bouton de droit « Générer modèle relationnel ». Il est où? Est-ce que tu le vois? Ah, il y a un instant. Ça veut-tu dire oui, ça, Mirna? Oui. Parfait. Si jamais tu as d'autres questions, Mohamed, on pourra peut-être se reparler dans une séance, mais revise le formalisme et les clés de lecture. Je pense que ça va beaucoup t'aider.
Parfait, merci, monsieur. La normalisation, tu n'as pas besoin de réviser ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Le Myrna, tu en avais une sur comment générer le modèle relationnel, qu'on appelle aussi modèle physique. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le fonctionnement d'SQL Developer et les modèles logiques et relationnels? Parce que dans le cas de votre carrière en développement, là, il est possible qu'un analyste vous remette un modèle et vous dit « là, je veux un écran de consultation des clients, puis tu vas me mettre ce tableau puis ce tableau. » Il faut que tu puisses interpréter le modèle. Il faut que ça te dise de quoi. Alors, je vous avais dit que je finissais le cours tôt pour permettre à ceux qui se déplaçaient. Alors, je vous souhaite un très beau week-end long. Donc, pour ceux qui avaient un cours avec moi lundi, vous comprenez que vous n'avez pas de cours lundi. Et pour les autres de ce cours-ci, on se voit donc mardi en présentiel au collège. Au revoir, monsieur. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Au revoir.